Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Mes recettes préférées et plus. Aujourd'hui, je viens vous partager une nouvelle recette, une recette salée, ben écoutez, de saison. On va faire une quiche au butternut et au poulet. Pour réaliser cette recette, vous aurez donc besoin des ingrédients suivants. Donc, un rouleau de pâte brisée pur beurre, un butternut, un gros oignon. Bon, moi, ils sont tout petits, du coup, j'en ai pris trois petits. 350 g d'escalope de poulet que vous allez émincer en petits dés comme ceci. On aura besoin de 2 œufs, 50 g de fromage râpé de votre choix, de la crème fraîche liquide, donc légère ou entière comme vous voulez, 20 centilitres. On aura besoin d'une cuillère à soupe de moutarde. On aura besoin de sel, de poivre, de persil. Moi, je prends de la persillade et d'herbes de Provence et puis un petit peu d'huile d'olive. La liste complète détaillée des ingrédients se trouve en barre d'information ci-dessous, comme d'habitude. Alors, on va préparer les ingrédients pour pouvoir démarrer la recette. On va donc éplucher le butternut et le couper en petits cubes et on va le faire cuire dans de l'eau salée. Les oignons, on va les émincer finement et on va les faire revenir dans un petit peu d'huile d'olive avec le poulet. Je réalise cela et on se retrouve juste après pour démarrer la recette. Voici donc les ingrédients prêts. Donc le butternut, j'ai pris on va dire 600 g de chair que j'ai coupé en petits morceaux. L'oignon, enfin les trois petits oignons, donc on va dire un gros oignon émincé. Voilà, donc maintenant on va passer sur le feu. Donc je ne vais pas vous filmer hein, la phase que je vais faire sur le feu. C'est très simple, je vais cuire donc les cubes de butternut dans de l'eau salée. Et quand ça sera cuit, je vais les égoutter. Je vais faire revenir l'oignon dans un petit peu d'huile d'olive. Et ensuite, je vais rajouter les 350 g d'émincé de poulet avec les oignons que je vais faire revenir ensemble avec un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Voilà, je réalise cela et on se retrouve juste après pour poursuivre la recette. Voici donc le butternut que je viens de plonger dans de l'eau. Je vais rajouter un petit peu de gros sel. Voilà, et ça va passer sur le feu. On va cuire ça jusqu'à ce que ça soit bien tendre, vous voyez. Enfin, il faut que ça reste ferme quand même, mais il faut que ça soit bien cuit, pas trop non plus. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, on cuit les butternuts et en parallèle, je vais faire revenir les oignons dans un petit peu d'huile d'olive. Voici donc une poêle dans laquelle j'ai mis l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc là, je vais la mettre sur le feu jusqu'à ce que l'huile sera bien chaude. Ben, je verserai les oignons émincés et je ferai revenir les oignons jusqu'à ce qu'ils prennent une belle coloration. Et ensuite, je rajouterai donc les émincés de poulet. Je mélangerai ensemble avec un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et ensuite, on se retrouve juste après pour poursuivre la recette. Donc là, je vous montre les oignons. Vous avez vu, ils ont pris une légère coloration. Maintenant, je vais rajouter le poulet et je vais les cuire ensemble. Et je vous montre juste après le résultat obtenu. Voici donc les oignons qui ont été revenus avec le poulet. Donc là, j'ai éteint. On laisse de côté. On attend que les cubes de butternut soient cuits. Et ensuite, on va pouvoir poursuivre la recette. Pendant que le butternut finit de cuire, donc là, on va préparer notre appareil. Dans un petit bol, on va casser les deux œufs. On ajoute les 20 centilitres de crème fraîche liquide. Alors comme je vous le disais, hein, vous mettez la crème fraîche de votre choix, entière ou légère. Hein. Ensuite, on va venir saler notre appareil. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Un petit peu de persil. Alors moi, je n'ai pas du persil frais, je vais mettre de la persillade. Et des herbes de Provence. Voilà. Et on vient mélanger le tout. Et voilà, l'appareil est prêt. Donc là, on prend notre moule à tarte et on vient le chemiser avec notre rouleau
de pâte brisée pur beurre. Et au bout de 20 minutes de cuisson, on éteint le butternut et on vient l'égoutter. Voilà, je réalise cela et on se retrouve juste après. Donc là, je viens piquer le fond de ma tarte un petit peu partout. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais prélever environ une cuillère à soupe de moutarde. Je vais en mettre un petit peu comme ça sur la base et je vais l'étaler avec une cuillère à soupe. Voilà. Alors ensuite, on vient verser les morceaux de butternut qu'on a cuits. Donc bien entendu, on les a préalablement égouttés. Et maintenant, on vient donc les disposer un petit peu partout sur le fond de la tarte. On étale le tout. Hein. Alors en fait, pour tester la cuisson, il suffit juste de prendre la pointe d'un couteau et c'est comme ça que j'ai pu vérifier la cuisson. Donc 20 minutes de cuisson ont suffi. Voilà. Ensuite, on va chercher nos morceaux de poulet qu'on a cuit avec l'émincé d'oignon et de l'huile d'olive. On vient donc verser le tout par-dessus. On vient les étaler un petit peu partout. Voilà. Là maintenant, on va préchauffer le four à 210 degrés chaleur tournante. Il ne reste plus qu'à verser notre appareil par-dessus le butternut et le poulet. Voilà. Et on termine par parsemer le tout avec 50 g de fromage râpé de votre choix. Emmental, comté, ce que vous voulez. Voilà, donc là j'attends que le four termine de préchauffer, donc à 210 degrés. Et ensuite, je vais l'enfourner pendant 25-30 minutes. Je vous donnerai le temps exact à la sortie du four. On se retrouve donc dans un instant. Voici donc notre quiche au butternut et au poulet à la sortie du four. Donc, elle a cuit exactement 30 minutes à 210 degrés. Donc, selon les fours, hein, je vous conseille de bien surveiller. Donc, ça peut être entre 25 et 30 minutes à 210 degrés. Voilà, mais écoutez, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que la recette vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker les recettes que vous appréciez et activer la petite cloche pour être sûr de ne pas rater les prochaines recettes. Bye bye !